bonjour. Bonjour. Alors, sur Fréquence 7, pas pareil, différente, on a la chance de pouvoir faire une émission qui parle de ce que les autres ne débattent jamais. Alors, bon, là, ce soir, on a quatre sujets. D'abord, on a eu l'association ATTAC qui est venue à Aubenas le 18 janvier pour nous parler surtout de la santé, mais aussi des actions d'ATTAC. On va parler des agriculteurs, évidemment, parce que c'est incontournable. On va parler du Conseil constitutionnel, parce que quand même, hein, le Conseil constitutionnel était vraiment à la fête ces temps-ci. Hein, on attendait ses décisions. Et on va parler de l'éducation nationale, puisque l'éducation... Notre ministre était à la fête, elle aussi. Sur la sellette aussi, voilà. Bon. Donc, d'abord, les agriculteurs. Bon, et peut-être pour entrer en matière sur les agriculteurs, on a un petit son à vous faire entendre. Deuxièmement, est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer? Est-ce qu'ils souffrent? Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du Président et du Premier ministre, je les laisse faire. Bloquer les circulations, c'est illégal. S'en prendre un établissement public, c'est illégal. Enfreindre la liberté de circuler, c'est illégal. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes? Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Voilà, donc j'ai rappelé, non, ce n'est pas le cas. Enfin, vous avez vu les images à Bordeaux devant la préfecture? Écoutez, moi, je suis ils élu... n'ont pas défoncé la grille écoutez, d'entrée écoutez, moi je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs, je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Vous voyez le sens de ma question, c'est fort. Le deux poids, deux mesures. Non, il n'y a pas de poids, deux mesures, on ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications, qu'ils sont le gouvernement est à l'écoute, le Premier ministre fera des annonces demain, il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Voilà. En revanche, j'ai rappelé au préfet que si les bâtiments publics, si les policiers, les gendarmes, les agents de préfecture étaient pris à partie, évidemment que nous interviendrons. On aurait bien aimé que pour les gilets jaunes, ça se passe de la même manière. Hein. C'est vrai, ouais. C'est vrai, oui. Il y avait quand même une sacrée violence par rapport aux gilets jaunes. Ouais. Et là, on sent quand même Darmanin, disons, très, très souple. Très, oui. Alors, d'un seul coup, il arrondit les angles. Ah, un Darmanin humain, incroyable. alors, il est vrai qu'on est plutôt heureux que les agriculteurs puissent manifester, disons, sans ramasser des coups. Sans violence. Sans violence, hein, parce que c'est au fond ce qui est normal. Hein, dans bien une sûr, république, on peut, disons, manifester sans violence. Hein. Mais on regrette quand même toute cette violence qu'il y avait par rapport aux gilets jaunes. Hein. Sans violence, tu me diras, il y a quand même deux agriculteurs qui meurent chaque jour, hein, si j'ai bien compris. Il y a deux qui se pendent chaque jour. Et quand on sera à la fin du quinquennat de Macron, on en sera à 7000. Mm-hmm. Donc, allons-y, quoi. Tout à fait. Non, pas plus. Alors, moi, je rajouterais simplement, je pense quand même qu'il y a, chez les agriculteurs, comme de partout, une certaine hiérarchie aussi. Hein, parce oui. que, voilà, il y a vraiment des gars qui en bavent, qui bossent énormément. Et je pense particulièrement aux petits agriculteurs qu'on a vers chez nous, quoi. Hein, parce oui. que ce sont des gens qui sont en très, très grande souffrance. Et puis, quand on voit ces tracteurs énormes, alors soit ils sont des victimes de la grande consommation, disons, que nous impose le capitalisme, et ils s'endettent comme des fous auprès du Crédit Agricole pour acheter tous ces tracteurs. Mais je pense pas qu'ils soient tous au même niveau, quoi. Hein? Oui, c'est invraisemblable. Il y a cette image du gars qui se pend. Et il est à côté d'un tracteur Rolls-Royce. Ouais. Voilà, où le mec, il a la clim, il a l'ordinateur. Oui. Enfin, c'est. Ouais. Je pense aux céréaliers, aux mecs comme ça. Quoi. Enfin, je pense qu'il y a deux mondes. Quoi. Voilà, et les mecs, ils achètent ils ont de plus en plus de terrain parce que. Autrefois, avec 100 hectares, t'arrivais à avoir une entreprise qui fonctionnait. Maintenant, il faut plus de 100 hectares. Enfin, tu te rends compte, c'est hallucinant, quoi. Et donc là, ils s'endettent un peu plus, Ils n'arrivent pas à bouffer, les mecs. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas à bouffer. Ouais. Hein. Et donc, c'est invraisemblable que ça marche comme ça. Et t'as le gars de la FNSEA qui représente la FNSEA, là, Arnaud, je ne sais plus comment il s'appelle, là. Lui, 700 hectares, entreprise Avril, etc., tout va bien pour lui. Hein. Et quand il arrive à négocier le GNR, bah, lui, pour lui, c'est tout bénef. Lui, il fera encore plus de pognon. Pendant que les autres, il y en a plein qui sont en train de crever, quoi. Ouais. Moi, je pense que les agriculteurs sont pris en tenaille. Entre
entre d'un côté les contrats de libre-échange qui sont signés à tire-larigot par l'Europe et auxquels participe et a participé notre gouvernement, hein, le gouvernement Macron, et de l'autre côté les marges de l'industrie alimentaire. Et moi, ce qui me titille vraiment, c'est que quand on entend Darmanin parler comme ça, le sous-titre, c'est je suis gentil avec vous parce que vous votez pour moi. Voilà, c'est ça. Oui, hein, c'est ça, hein. Mais seulement c'est... voter pour des gens qui signent des contrats de libre-échange à tire-larigot comme ils le font, et pour des gens qui ont refusé l'encadrement des marges de l'industrie agroalimentaire, c'est suicidaire. Voilà. Alors il faut rappeler, moi je suis allé voir les statistiques, disons, de vote, hein, des agriculteurs. 67% votent pour Macron, hein, 67%. Le reste, une grosse partie, disons, pour le Rassemblement national. Hein, et puis quelques-uns votent à gauche, quoi. Donc c'est vrai que Darmanin, en fait, il se la joue tranquille, est très doux avec les agriculteurs, parce qu'au fond, c'est son électorat. Hein. Surtout, sachons bien que c'est pas le Rassemblement national qui va faire qu'on va sortir du libéralisme par rapport aux agriculteurs. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à ce que la Conf écrit, hein, ce que tu disais... La garantie d'un revenu. Voilà. La garantie d'un revenu, notamment par une récupération de la valeur ajoutée du travail, de la production agricole, face aux pratiques et aux marges honteuses de l'agro-industrie et de la distribution. Les EGA, c'est-à-dire les états généraux de l'alimentation, ont été dévoyés. Le gouvernement doit imposer des mesures de répartition des marges au lieu de faire des promesses sans jamais aucune amélioration pour les revenus des paysannes et des paysans. Voilà. Alors le sujet serait énorme, hein. Les lois Egalim qui sont absolument inapplicables, la PAC qui est attribuée qu'à l'hectare, donc il faut avoir de plus en plus de terrain, de plus en plus de terrain, et il n'y a absolument pas à l'employer, quoi. C'est, tu vois, la PAC, elle devrait être attribuée aux gens qui travaillent, pas au terrain, quoi. Et tout ça, c'est une logique ultralibéral, et cette logique ultralibérale pour laquelle le RN, rappelons-le, vote les deux à deux mains, voilà, c'est pas eux qui vont arriver à changer ça. Non, cette logique-là, elle est devant nous, et les agriculteurs n'arriveront pas à s'en sortir tant qu'on sortira pas de cette logique-là. Il faut qu'ils arrivent à comprendre, oui, à comprendre qu'ils votent en fait pour des gens qui votent qui ont une politique contre eux. Voilà, bien tout à sûr. Fait. Et ils font des traités de libre-échange, etc. Ça ne s'arrangera pas. Le gouvernement vient de dire qu'il était contre le Mercosur. Oui. Moi, j'attends. Oui, on attend de voir. Parce qu'ils sont capables de dire ça et de voter pour. Ils bottent en touche. Ils disent nous, on s'est abstenus. Ils savent qu'il y a suffisamment de voix pour que ça passe, donc ils s'abstiennent. Tout à fait. Voilà. Donc, oui. Alors, on a un deuxième sujet, c'est le Conseil constitutionnel. Ah, le Conseil constitutionnel. Alain, hein, c'est toi qui portes ce sujet aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est qui, c'est quoi, c'est où, ça sert à quoi, hein? Alors, pourquoi on parle du Conseil constitutionnel? Parce qu'on attendait... Ah, on attend souvent, disons, on attend souvent l'avis du Conseil constitutionnel. Hein, on l'a vu pour la retraite. Hein, et pour la loi immigration, la semaine dernière. Et ouais. Toutes les fois qu'on l'attend, en principe, on se fait quand même bananer par rapport à nos attentes. Alors, comme on attend, petit à petit, le soufflet baisse. Hein, voilà. On se calme et tout, et on se fait bananer à tous les coups. Alors la justice constitutionnelle, c'est le fait d'opposer au pouvoir politique une autre parole que celle de la Constitution, qui est celle, pardon, de la Constitution. Ah. Oui, sinon ça irait pas du tout. Excusez-moi. Alors, la Constitution est censée incarner les valeurs fondamentales de la République en déterminant la cohésion politique et sociale. Si on pense qu'il existe une justice constitutionnelle en France, c'est reconnaître en les personnes pouvant recevoir la qualité de juge le sens où ils sont indépendants, impartiaux et qu'ils suivent les règles du procès équitable. Eh bien, on a totalement tort, car ils ne répondent à aucune de ces conditions. L'organisation de la justice constitutionnelle, on va regarder un petit peu au niveau historique, hein, en Europe, elle a commencé à être organisée dans les années 1920. Et puis l'organisation a continué à se diffuser à la sortie de la guerre de 39-45, d'abord dans les pays qui ont connu des régimes totalitaires, l'Allemagne, l'Italie, afin d'empêcher que le pouvoir politique puisse porter atteinte à certains droits fondamentaux.
Ils sont listés aujourd'hui en Allemagne et en Italie afin de faire respecter, de les faire respecter par les pouvoirs publics. En France, ce n'est qu'en 1958, avec la Ve République, que le Conseil constitutionnel a été mis en place. Il est là pour consulter plus que pour contrôler. Oui, parce qu'en 58, quand il se met en place en France, c'est pas tout à fait dans la même logique que ce que tu expliquais juste avant. C'est-à-dire que en 40, il est arrivé pour empêcher, enfin après 40, après la guerre de 40, pour empêcher que les États nuisent aux droits individuels. Voilà. Là, disons, il y a la 4e République. On sait que la 4e République, c'était un petit peu compliqué. Les députés votaient constamment contre. Oui. Pour déstabiliser, disons, l'exécutif. On changeait d'exécutif tout le temps. On ne pouvait pas avoir une politique, de long terme que doit avoir un État. Voilà. Donc il a été décidé par De Gaulle d'avoir une mainmise, disons, sur ce Conseil constitutionnel. Voilà. Ça a été plus, disons, pour conforter, affirmer son pouvoir. Voilà. Donc le général de Gaulle, lui, il ne nomme pas tous les membres du Conseil constitutionnel à l'époque. C'est une répartition. Lui, il en nomme trois. Ce sont des amis de résistance ou des amis politiques. Il y a également trois membres qui sont votés par le président du Sénat et trois par le président de l'Assemblée nationale. Et ils sont nommés pour 9 ans. D'ailleurs, ça n'a toujours pas changé. C'est toujours sur 9 ans. Et puis le 16 juillet 1971, il y a une émancipation du Conseil constitutionnel. Le général de Gaulle, bon, à cette époque, dont il est mort et enterré depuis, deux ans, quelque chose comme ça. Et le Conseil constitutionnel devient protecteur de nos droits. Il y a dans le Conseil de l'époque un professeur de droit public qui porte l'objet... dont l'objet, disons, porte sur un projet de loi en vue d'empêcher la création d'une association. L'association s'appelle la Société des Amis de la Cause du Peuple. Ce professeur s'appelle François Luchère et il regarde à l'étranger et il dit « Les cours de justice ont pour mission de protéger les lois et libertés qui sont inscrites dans la Constitution et nous ne le faisons pas. » Le Conseil décide de censurer donc la loi en soulignant que cette loi porte atteinte à un principe fondamental reconnu par les lois de la République, qui est celui de la liberté d'association, et donc que cette loi est contraire à la Constitution. Donc le Conseil constitutionnel sert l'intérêt général. Tout à fait. C'est un événement. Ouais. C'est un événement qu'il n'a jamais fait jusque-là. Et puis, sur le plan de l'histoire, on va se rendre compte que les choses vont changer. Particulièrement à partir de 1990, on va assister à une véritable régression. En fait, c'est le pouvoir politique qui va régresser dans la protection des droits. Mais le Conseil constitutionnel ne va pas lui opposer cette parole constitutionnelle protectrice des droits et libertés. On peut dire aujourd'hui que cette image véhiculée par le Conseil constitutionnel protecteur, gardien des droits et libertés, est très largement usurpée. On aimerait y croire, ou on a besoin d'y croire, pour ne pas sombrer dans la déprime. Mais malheureusement, c'est différent. Le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, ne rend pas de justice constitutionnelle. Oui, on a bien vu avec la retraite, la façon dont les choses se sont passées. On a attendu les résultats du Conseil constitutionnel et on s'est fait complètement bananer. C'est les amis, en fait, de l'exécutif. Donc, ils iront jamais contre l'exécutif. Ouais. Là, sur la loi immigration, en plus, je ne sais pas si vous avez un peu suivi le total, mais c'est quand même complètement ahurissant. C'est Machiavel qui est là au pouvoir. Là, on a un Macron qui s'appelle Machiavel. Il a quand même, à un moment, établi une loi avec ses copains, tout ça. Il y a eu une motion de rejet qui a été votée à l'Assemblée. Donc, il n'a pas pu mettre cette loi comme il voulait. Ensuite, il a, avec les voix du LR, il a mis une deuxième loi qui a amendé dans un sens très droitier la loi. Puisque c'est le programme du Rassemblement national. Qui va jusqu'au programme du Rassemblement national. Ils arrivent à faire passer la loi. Puis, le Conseil constitutionnel le retoque. Et à la sortie, qu'est-ce qu'on a? On a la loi de Macron de départ. Voilà. Donc, est-ce que c'est une stratégie? On peut vraiment se poser la question, mais moi, je pense que c'est une stratégie. Oui, c'est une stratégie, c'est évident. C'est-à-dire que Macron, il a réussi donc à obtenir que sa loi soit en place, malgré la motion de rejet. Voilà.
Et on a l'impression d'une justice exercée, et, voilà. Et puisqu'on est revenu, disons, à la loi initiale de Darmanin, donc on se dit, ben, tout va bien. Quoi. Tout va bien. On a aussi l'impression d'une démocratie qui se fait marcher dessus complètement, puisque la représentation nationale dit non, on ne veut pas ce texte, et qu'est-ce qui se passe? On a ce texte. Ouais. Et ça, ça se passe maintenant tout le temps, tout le temps. Ben avec Macron, c'est systématique. C'est systématique. Ouais. C'est vraiment désespérant. Alors, on a un troisième sujet. On a fini pour le Je voulais simplement rajouter combien gagnent les sages, oui, puisqu'on les appelle les sages, hein, ouais. les gens du Conseil constitutionnel. Donc, les neuf sages gagnent 13 697,49 euros par mois. Donc c'est brut, vous enlevez les charges. Comment on devient sage, parce que ça m'intéresse. Et le président gagne, c'est-à-dire c'est Fabius, hein, le président, donc lui il gagne 15 039 brut. Est-ce qu'il y a des formations pour être sage comme ça? C'est un métier quand même. On a fait le compte, puisqu'ils sont élus pour 9 ans, ça revient à l'État à 13 458 843 euros et 36 centimes. Ne toussez pas. Bon, alors, c'est à toi, Amélie. Alors, moi, je vais vous parler d'Amélie Oudéa-Castéra, de Stanislas, et de plein de questions qui surgissent avec cette affaire-là. Est-ce que tu veux qu'on envoie le son, d'abord? Allez, on envoie le son. Fichtre, quelle horreur quand je pense à notre aîné qui a vécu l'enfer en maternelle à Littré. Une école publique avec la plèbe du sixième. Pensez, dans sa classe, il y avait le fils de la gardienne. Ah, l'institutrice, fallait voir son allure. Fichu dans les cheveux, mauvais parfum, fausse fourrure. Et feignante avec ça, figurez-vous qu'elle osa s'absenter de jour à la mort de son papa. Pour sauver notre fils de cette ville populace, oh, on l'a mis à Stanislas. Voilà, Stanislas. Alors, Stanislas, qu'est-ce que c'est, Michel? Établissement hors normes, 3 hectares en plein centre de Paris, maternelle, ça va de la maternelle jusqu'aux classes prépa, et des équipements qui feraient rêver même certaines communes, hein. Oui, mais pourquoi tu nous parles de Stanislas? Eh bien, parce que Madame Oudéa-Castéra, notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, scolarise ses enfants là-bas. Voilà. Donc elle connaît tout sur l'école publique. Elle a dit, l'école, c'est l'école de la République. D'accord. Voilà. Donc on va voir si les actes et les paroles concordent. Voilà. Donc cet établissement... 21 laboratoires, 3 amphis, 3 salles d'études, 7 gymnases, 2 piscines, 2 murs d'escalade. Voilà, donc c'est un établissement de luxe. En toute simplicité. En toute simplicité, qui accueille la grande bourgeoisie parisienne. Et c'est une école catholique, privée, sous contrat. Alors, sous contrat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école a signé un contrat avec l'État. Qui l'engage, l'établissement, à accueillir tous les enfants et à respecter le programme de l'éducation nationale? Bon, il y a d'autres contraintes, mais bon, on va faire court aujourd'hui. Et du côté de l'État, ça engage l'État financièrement, puisque c'est lui qui paye les salaires des enseignants. Et les collectivités locales, quant à elles doivent régler le fonctionnement, les frais de fonctionnement de l'école et aussi une part des frais d'investissement. Voilà. Donc, pour vous donner une petite idée, la mairie de Paris, en 2022-2023, a donné 1,3 million d'euros à cet établissement. Et Valérie Pécresse, donc, la région Île-de-France, a donné en 2023 487 000 euros à cet établissement. Ça, c'est de l'argent public. Hein. C'est que de l'argent public. Ouais. Plus les salaires des enseignants. Ouais, c'est pas rien. Hein, d'accord. Donc, le chiffre d'affaires de l'école, c'est 22 millions d'euros. Donc les parents payent chaque année pour la scolarisation de leurs enfants. Donc les revenus de l'école, c'est les frais d'inscription plus tous les financements publics dont je viens de vous parler. Donc tu nous as dit que c'était ouvert à tous les enfants, que cette école était ouverte à tous les enfants, mais les parents payent.
Les parents payent. Donc, les parents payent. Ça, je pense qu'ils ne payent pas 3 euros. Hein, non, non, c'est 2027, ça va entre 2027 et 2500 euros par an. Oui. Voilà. Oui, donc pour un mec qui gagne 1300 balles par mois. Voilà. Surtout en région parisienne, t'imagines à ça Paris. Doit être un voilà. peu difficile. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que l'argent des impôts alimente ces établissements-là ? Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Parce que surtout, ils ont comment dire, un état d'esprit, une façon de penser qui est complètement ouverte sur le monde d'aujourd'hui, surtout, sur, ah ben la là, culture, sur le vivre ensemble, sur tout ça, voilà. Hein, bien sûr. Donc, il y a eu un article de Mediapart, et suite à cet article, il y a eu une inspection dans cette école, parce qu'il faut savoir que les écoles privées, qu'elles soient sous contrat ou non, ont des inspections. Bon. Donc, que dit le rapport d'inspection ? Alors, non-respect de la loi, du fait que le catéchisme est obligatoire dans cette école. Mmh. Hein, ça, c'est complètement hors... c'est interdit par la loi. Il y a des propos homophobes, des propos qui vantent les thérapies de conversion, des propos anti-avortement, une demande de pardonner aux violeurs, même si c'est difficile... Hein, c'est des thérapies de conversion, c'est-à-dire C'est-à-dire, si tu es homosexuel, tu dois subir une thérapie pour ne plus l'être. Mais voilà. C'est pas une maladie. Ah ben non, c'est pas une maladie, mais bon, pour eux, c'est apparemment, une maladie, dans cet établissement, on considère d'accord. que... D'accord, voilà. La confession est obligatoire pour tous les enfants. Voilà, il y a du prosélytisme. Dans les cours de SVT, on ne parle pas de l'éducation à la sexualité. On ne parle pas des maladies sexuellement transmissibles. Et puis, le dernier truc qu'on a appris, c'est que Parcoursup avait été détourné. C'est-à-dire que l'établissement demande aux élèves qui veulent rentrer en classe prépa, parce que donc il y a une classe prépa dans cet établissement, ils demandent de ne faire qu'un choix sur Parcoursup, c'est la classe prépa de l'établissement, et en échange, l'établissement s'engage à accepter ces enfants-là. Voilà. Donc, en fait, ça dysfonctionne à tous les étages. Mmh. Et encore une fois, tout ça, c'est financé par de l'argent public. Voilà. Est-ce qu'on a encore un peu de temps ou on arrive au bout ? Parce que, du coup, ça pose aussi des questions au niveau politique, parce que quelles sont les valeurs que porte Madame Oudéa Castéra ? Est-ce qu'elle porte les valeurs de l'éducation nationale qui sont la laïcité, la gratuité et l'accueil de tous les enfants ? Ou est-ce qu'elle porte les valeurs de l'établissement de ses enfants ? Je trouve que ça assez grave quand même. Hein. Et puis, il y a un mensonge qui est là, puisque Madame Castéra dit que l'éducation nationale, enfin que l'école, c'est l'école de la République, et finalement... Elle met ses enfants dans une école privée qui, en plus, est une école vraiment rétrograde, avec des valeurs rétrogrades. Donc, on ne peut plus avoir confiance. Quoi. Oui, mais enfin, Oudéa Castéra, elle n'a pas une affaire judiciaire en cours, là. Elle n'est pas comme Dati ou comme tous les autres, là. Donc, c'est quand même une ministre vertueuse. Oui. Elle a même accusé l'école publique, disons, de son quartier, hein, où elle a, je crois, laissé son petit pendant 3 mois ou 6 mois. Ça a été très, ouais, très bref. Et elle rouspétait, disons, par rapport à l'absentisme d'une institut qui a dit qu'elle n'avait jamais été absente. Hein. Qui n'a jamais été absente. Qui n'a jamais été absente. Donc, en plus, elle ment, quoi. Il faut se mettre à la place des enseignants qui entendent ce qu'elle a dit sur l'absentéisme des enseignants, quand même. Hein, c'est, voilà. Alors, juste pour finir, parce que, bon, on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais dire que ce matin, on est allé soutenir un copain qui avait manifesté à Saint-Pierre-de-Colombiers. À la gendarmerie, ils ont voulu nous contrôler, alors que, voilà, ils sont très, très laxistes avec les agriculteurs, mais pas avec les gens qui viennent soutenir quelqu'un à qui on demande des comptes par rapport à Saint-Pierre-de-Colombiers, par exemple. Hein. Donc, Darmanin, attention à ton discours. Bon, on voulait juste dire un tout petit mot sur la Cour de justice internationale. Oui, alors la Cour de justice internationale s'est prononcée donc sur le conflit au Moyen-Orient et a accepté le fait que il y a un risque génocidaire
dans la bande de Gaza. Voilà. Voilà. Et puis pour finir, donc juste à attaque à la bobine le 18 janvier, on avait un monsieur très très bien, Jean-Luc Grauer, qui est un grand médecin, qui était médecin à Salon de Provence, et qui nous a expliqué que entre 2000 et 2020, la France est passée de la première place par rapport à l'OMS pour la santé à la 11e place, et on continue à dégringoler. À bientôt, bon courage. À bientôt, au revoir.